peut bien aider Chakar. Attendons voir, le départ est imminent. Et c'est parti pour cette deuxième course, 1400 mètres à parcourir. Chakar avec Mouni sollicité, Dark Force également. Dark Force à l'extérieur, Mouni va le faire travailler un peu sur la partie initiale. Dark Force avec Mouni, Henry Tudor également bien sorti des boîtes. Ensuite Chakar, Sky High Flyer, Barack Lavin. Ça mène à l'arrière Bad Attitude qui est à l'intérieur d'Antwerp pour l'instant. Et puis Fortissimo et Amritsar, les chevaux entament la descente, environ 900 mètres à parcourir pour Dark Force qui dirige les opérations devant Henry Tudor qui suit à l'extérieur finalement de Mouni, Sky High Flyer en dehors lui de Chakar. Ensuite Antwerp, Barack Levin à l'arrière, il y a Bad Attitude, Fortissimo et Amritsar à la rue du gouvernement. Bientôt plus que 500 mètres à parcourir dans cette course pour Dark Force et Riaz Oulash. Henry Tudor reste menaçant juste à l'extérieur. Mouni également un beau parcours. Chakar Sky High Flyer qui est toujours en main avec à l'arrière Barack Levin. Fortissimo va contourner maintenant le peloton. Antwerp également là dans la ligne droite finale avec Dark Force. Henry Tudor tente d'accélérer Sky High Flyer à l'extérieur avec Antwerp lancé. Mais Dark Force est toujours le meilleur sur Henry Tudor. Dark Force, Mouni tente de s'amener à l'intérieur. Maintenant Dark Force, Sky High Flyer qui termine en bolide à l'extérieur. Sky High Flyer, Henry Tudor, Sky High Flyer s'impose devant Henry Tudor. Dark Force ou Antwerp pour la troisième place. Sky High Flyer monté par Stackhouse remporte cette deuxième course. Il confirme sa cote de grand favori, en tout cas une monte en toute confiance pour Dan Stackhouse au milieu du peloton. Et là, à l'entame du dernier virage, il ne perd pas de temps. Il se porte déjà à la hauteur de Henry Tudor ici, donc pour ne pas avoir de problème de trafic en pleine ligne droite. Là, il a le clear run à l'avant. Dark Force affaibli à vue d'œil. Mouni va tenter de s'infiltrer à l'intérieur. Henry Tudor donc qui persiste et signe, il s'accroche bien, mais Sky High Flyer est vraiment supérieur dans ce lot, 61 kilos, et là il va régler tous ses rivaux pour aller s'imposer. Sky High Flyer sous la selle de Dan Stackhouse.